chez le tétralyre, ce sont surtout les mâles que l'on remarque. Il y a chez eux une aptitude certaine à la parade. Et en mai, quand les poules sont à conquérir, la tension est à son comble. Bref, ça frime pas mal, dans l'espoir de se faire remarquer par une poule consentante. Lassé de rouler des mécaniques, chacun finit par regagner ses pénates. Ici, des pénates en plein cœur d'une station de ski. Peu mieux faire pour la dimension sauvage et tranquille. Cette cohabitation entre tétralyre et tourisme de masse interroge Marc Montader de l'Office français de la biodiversité. La question, c'est comment, en hiver, ces oiseaux font pour subsister au milieu d'une fréquentation humaine massive. Alors ça peut étonner certaines personnes, mais dans un domaine skiable, 80% des oiseaux chantent sur une piste de ski. Pourquoi ? Parce que justement, la place de chant est naturellement, chez cette espèce, un endroit extrêmement visible. Les coqs veulent être vus par les poules, veulent être vus des autres coqs. Et au petit jour, même si la place de chant est sur la piste de ski, ils y vont au petit jour avant que la station ouvre. Donc ils ont une heure devant eux pour pouvoir chanter. Donc on a vraiment cherché à comprendre comment c'était possible. Et donc on a profité de ces nouvelles technologies. Donc c'est une balise qui, avec le système GPS, stocke sa localisation. Et sans ce matériel, en fait, on ne peut pas arriver à étudier ce genre de choses. Parce que pour étudier le comportement, il nous faut des localisations fréquentes. Protéger au mieux l'oiseau sur les domaines skiables, c'est l'objectif de Nicolas Gomez, du Parc national de la Vanoise, et de Marc Montader. Et pour ça, il faut comprendre ce que font les tétras de leurs habitats. Où ils dorment, où ils mangent, où ils se déplacent et quand. Et pour espionner l'oiseau et connaître tous ses faits et gestes, il faut déjà l'attraper. Pour ça, quatre éléments essentiels. Un terrain favorable, un chien d'arrêt pour déceler la présence de l'oiseau, des filets et une équipe ultra compétente à la manœuvre. Elle n'est pas allée loin. Attention, elle n'est pas allée loin. C'est la femelle qu'on avait déjà levée tout à l'heure. Et du coup, elle est habituée, elle est partie en montant. Normalement, les tétras partent jamais en montant. Mais là, du coup, elle est partie en montant. Donc là, on pense qu'il y a des petits, parce que comme elle ne va pas très loin. Donc on va faire le cri du poussin pour voir si elle revient. Donc là, on va tendre le filet au sol. Et on va faire le cri du poussin. Si il y a des poussins, elle va revenir comme une folle récupérer ses petits. Pour que l'instinct maternel parle et tromper la méfiance de la poule, il faut se camoufler et se tenir à carreau. Je la vois aller au pied de l'eau. Aller au pied du gros machin. Au pied du cimbron, elle est dans le cimbron. Vas-y, vas-y, vas-y. Attrape-la, on arrive. Présents uniquement dans les Alpes, les principales menaces pour l'espèce sont la fermeture du milieu à cause d'une déprise pastorale et le développement des infrastructures touristiques qui impactent déjà 30% de son aire de présence. C'est bon ? Ouais. Allez, en chaussettes. Bien, là on plie vite le filet, on range tout et on part pour qu'elle revienne retrouver ses petits. Là maintenant on aura un point régulier de la femelle et on pourra se la suivre hiver comme été. Un suivi serré des GPS permet à Nicolas Gomez de voir l'activité des poules équipées et d'effectuer des diagnostics de terrain très rapidement. Donc là, on a capturé une femelle au printemps. Elle était sur son nid et du coup, elle est partie 5 jours avant. Donc on sait que la femelle n'est pas morte parce qu'elle est partie, elle bouge, mais par contre, elle a laissé son nid. On pense que le nid s'est fait prédater. Donc le nid, c'est vraiment pas énorme, le nid. C'est juste une petite cuvette qui est sous les arbres, là, sous les cades, sous les myrtilles. Mais elle est là. Voilà l'entrée du nid. Il y a bien le nid du tétra. On voit l'entrée, on voit le nid. On voit les plumes de tétra dessus, donc ça c'est bien.
Malheureusement, il n'y a aucune reste de coquille. Donc, elle s'est fait prédater les œufs. On est content que ce ne soit pas elle qui soit fait prédater. Après, malheureusement, c'est trop tard, donc elle ne pourra pas refaire un autre nid. Quand ça se fait prédater au début du mois, elle peut se refaire un nid. Mais là, elle ne pourra pas refaire le nid. Donc, prédation, vu où on est, on n'a pas trop de sangliers ici. Donc, c'est souvent quand même des renards, des martres qui viennent le faire. On a même eu des cas de marmottes qui viennent prédater. Donc, tant qu'on n'a pas de piège photo dessus, on ne pourra pas le voir. Et là, on n'a pas mis de piège photo, donc on ne pourra pas voir. On ne pourra pas devoir ce qui a été prédaté, mais en tout cas, c'est prédaté. Les données personnelles des oiseaux ont parlé. La quantité et les heures de vol sont connues et analysées. Des données cruciales pour protéger des oiseaux, dont 15 à 20% de la mortalité est liée à des percussions avec des câbles, des clôtures ou des bâtiments. On peut voir là en face, il y a pas mal de plantations qui ont été créées dans les années 60 pour embellir la station. Et du coup, c'est les seules zones de protection et les seuls sapins qui existent sur les menhirs. Et du coup, les oiseaux, ils traversent la vallée pour se réfugier et pour se nourrir pendant l'hiver. Ils vont se cacher dans ces sapins et manger. Et dès que le soir, 5h, 5h30, que la station ferme, on voit les coqs traverser, passer la nuit, la plupart de la nuit, sur les places de champs qu'on est là. Et dès qu'il y a du monde, vers les 8h, dès que la station réouvre, ils repassent et ils retraversent la vallée. Donc ça les oblige à faire des quantités de vols assez folles juste pour pouvoir se nourrir et se cacher. Le vol, c'est de la fatigue, c'est du risque. Il y a énormément de câbles. On peut voir ici, il y a les câbles EDF qui passent dessous, des câbles un peu partout. Et on s'aperçoit qu'ils volent de nuit. Et du coup, la nuit, quand il y a du brouillard, ils peuvent connaître les câbles, mais ils se les prennent. Voilà, sur Méribel, on a une femelle qui est passée 18 fois au-dessus ou au-dessous d'une remontée mécanique. Et un jour de grand brouillard, et bien elle a pris des câbles. La mortalité par percussion est loin d'être anecdotique. Voilà. Les tétras ne sont pas du tout adaptés à des infrastructures sur leur terre. Il y a une vraie réflexion à faire sur les dispositifs de visualisation. Ça, c'est un premier axe. Et puis le deuxième axe, il est directement issu de ce qu'on a observé sur le comportement de nos tétras. C'est bien d'identifier des zones refuges et voir d'en créer là où il n'y en a pas assez. Un tétra n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour vivre. Tant qu'ils peuvent se nourrir l'hiver, donc avec des résineux et quelques feuillus pour dès qu'il y a des jeunes pousses, une place de champ et après pour les femelles, des zones pour pouvoir faire le nid et élever les petits, donc ça leur suffit. Donc sur ce versant de menhir, on a vraiment tout, sauf ces plantations de sapins et qui permet de passer l'hiver tranquillement. Personnellement, je ne suis pas pessimiste sur l'avenir du tétra lyre, en tout cas, un avenir raisonnable, enfin, autant qu'on peut l'envisager, mais à l'échelle de 10-20 ans, je ne suis pas du tout pessimiste pour le tétra lyre.